Bonjour Isabelle. Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que vous voulez voir changer qui serait bon pour vous? Bonjour. Je dors difficilement. J'ai des maux de tête et de très fortes angoisses. Des peurs, depuis que j'ai subi un accident de voiture, quand un chauffard a percuté ma voiture. Je n'ose plus prendre ma voiture. Je suis en insécurité, impuissante. Je me sens seule dans ces moments-là. J'ai pleinement conscience qu'il n'y a pas de raison, car cet accident est arrivé il y a trois ans. J'ai fait différents types de thérapies verbales, qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses, mais je suis toujours dans cette peur irrationnelle que je ressens en moi. Je suis en état d'alerte pour tout. Je reste chez moi, je ne peux plus conduire. Mais aussi, j'ai toujours été angoissée depuis mon enfance, sans raison apparente. Quand vous y pensez, cette charge émotionnelle qui vous active, vous la mettez à combien sur une échelle de 0 à 10, et où est-ce qu'elle vous affecte le plus en vous, dans votre corps Ma peur est à 8 sur 10. C'est faux, car elle a 12. Ça m'étouffe. J'ai des tensions, des douleurs dans les épaules et le plexus noué. Tu es nul et pitoyable. Tu ne réussiras jamais à... Tu es seul comme une idiote. Je remarque aussi maintenant que vos yeux se dirigent à gauche et un peu en haut. C'est de ta faute, comme d'habitude. Il y avait d'autres rues pour aller au même endroit. Tu es incapable. Personne ne t'aimera. Vous êtes bien courageuse d'avoir supporté tout cela pendant trois ans. Vous n'êtes pas coupable, c'est la faute de ce chauffard, car c'est lui qui n'a pas respecté le feu rouge. Je comprends que vous y ayez toujours peur, même encore actuellement. Oui, c'est vrai. Enfin un professionnel qui t'a compris. Tu as bien fait de venir, et de ne pas écouter ceux qui t'agressent. Tu n'as plus besoin de culpabiliser. Comme maman te faisait culpabiliser. Personne ne m'écoute, personne ne m'aime. Je veux des bonbons et du chocolat. Cela va me faire du bien. <laughs> Je remarque que vos yeux se dirigent à droite et un peu en bas. Je comprends bien que votre envie compulsive de chocolat et gâteau vous aide et vous régule en vous apaisant. C'est comme votre propre médicament anti-angoisse. Oui, c'est tout à fait cela. Mais j'arrive pas à contrôler. Je ne veux pas grossir. Je vous propose une thérapie avec la psychothérapie limbique pour vous et les différentes parties de vous qui souffrent. Et je pense que je peux vous apprendre à vous en libérer de cette souffrance du passé pour que vous puissiez conduire votre vie. Car maintenant nous sommes en 2023. Ah bravo Il a compris Tu as bien fait de venir Il a l'air plein d'expérience. Je ne suis pas sûre, par tout de suite, car cela sera encore pareil, comme avec toutes tes séances de psychanalyse et de TTC. C'est pas vrai, la 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 l'air. C'est pas vrai, la 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 l'air. Je vais enfin pouvoir m'amuser, être joyeuse et libre. La direction des yeux ou un ressenti affecte comme vous vous ressentez. C'est une direction oculaire qui correspond à une perturbation dans le système nerveux indépendant de la volonté du patient. La psychothérapie limbique et principalement une thérapeutique sous-corticale. Le praticien demandera à la patiente focalisée sur sa problématique qu'il active de suivre son doigt dans son espace de vision et pourra s'arrêter sur le ou les différents points d'activation qui mettent en évidence la perturbation du système nerveux vagal ventral de la patiente. Ensuite, celle-ci se focalisera sur son point d'activation le plus représentatif, mis en évidence par le praticien qui correspond au réseau neuronal de sa problématique tout en étant assise dans le cabinet de consultation. Certaines scènes récentes ou du passé peuvent émerger. Celles qui étaient restées bloquées dans le temps du trauma peuvent venir sous différentes formes à la surface. Images, sons, sensations, jusqu'à un moment très précoce de la vie du patient, ceci n'étant jamais venu à sa conscience jusqu'à ce jour. Laissez venir spontanément ce qui vient, comme pensée, image, sentiment, souvenir d'autrefois, sensations corporelles, sans chercher à maîtriser ni contrôler, sans vouloir vous défendre, ni aider le processus, sans jugement, sans réagir à vos réactions. Sur une échelle de 0 à 10, votre activation se trouve à combien? 8. Et où le ressentez-vous le plus dans votre corps? Au plexus. C'est une grosse boule. Je vais vous demander de suivre mon doigt qui va se déplacer lentement dans l'espace devant vos yeux. Ceci de gauche à droite et de droite à gauche. Et je m'arrêterai sur le point de perturbation qui s'active le plus. Oui, c'est là. Très bien. Laissez venir ce qui vient spontanément, sans chercher à faire ou à contrôler et maîtriser, ou même à aider le processus, sans interpréter. Ne cherchez pas à réagir à vos réactions. Allez avec ça et voyez où ça vous mène. Je ne comprends pas. L'angoisse a diminué. J'ai vu différentes scènes de ma vie très rapidement, où j'ai subi des chocs et des agressions. Il vient de me revenir en mémoire un moment de mon enfance à dix ans, où j'ai été agressée par des écolières méchantes et un garçon qui a voulu me tripoter. Très bien, continuez avec ça. Je ressens le relâchement, et mon corps est détendu maintenant. Quand vous ressentez cette détente, votre esprit est comment maintenant Mon esprit est léger. Je me sens apaisé. Et si bizarre, je n'ai plus mal à la tête. Quand vous ressentez cet apaisement et que votre corps est détendu, est-ce que vous vous sentez plus en sécurité en vous maintenant Oh oui, cela me fait bizarre cette nouvelle sensation. Prenez bien le temps de ressentir vos sensations que votre corps ressent et continuez avec ça. Lors de ce travail en utilisant le modèle de la dissociation structurelle de la personnalité en psychothérapie limbique, il sera indispensable de considérer que pendant toute la durée du travail, l'activation et l'intégration se feront simultanément et de manière non cognitive. Le patient pourra exprimer son changement après ses différentes activations ou verbaliser la détente et le relâchement à l'intérieur de son corps. Il y aura aussi un apaisement de ses pensées, ceci en pleine conscience dans l'instant présent afin de faciliter l'intégration. La prise de conscience de ce nouvel état autant psychique que somatique favorisera l'intégration à un niveau frontal afin de réallumer les lobes frontaux éteints par le choc traumatique ou l'état dissociatif.